Parti, pour la descente. Alors, piste jusqu'à ce qu'on domine l'Embrus, et puis après, ce sera un fond de vallon. Ah, vous verrez. Allez, c'est vrai que ça descend beaucoup. Même à pied, j'arrive pas bien à tenir. Ouais. Allez, la même chose pour Jacques. Ça glisse, hein. Je suis passé dessous l'arbre qui est à gauche. Ouais, la pentasse, hein. Ouais. Ben voilà. Une fois, je me suis pris une méchante gamelle dans ce passage et une branche qui s'est mise dans les rayons. Voilà, toujours dans le vallon, Robert arrive. Tu peux passer par-dessus là. Là c'est pareil, faire confiance aux pneus, ça glisse. Alors ici, le même genre de truc, un poil de moins pentu, mais par contre avec des grosses pierres au milieu. T'as vu le kerne ? Ouais, je vais le montrer. Plein de gros blocs au milieu. Le kerne, c'est lui là. Beaucoup moins facile pour Robert qui a un cadre rigide. Casse-gueule, c'est ça que c'est parti. Hein.